أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. J'ai pensé le moment me refaire pour venir à Aigousse, des mentors, les présidents de la République, le très cher adorable, et bien Boubacar Keïta, alias Ibeka Junior. Je veux faire savoir à la population que le terrorisme est comme une maladie bactérienne contre laquelle il est difficile de trouver un vaccin. La vérité des faits aujourd'hui est de pouvoir déjouer les attentats terroristes par la notion de l'anticipation. Une chose difficile, mais faisable. Nul aujourd'hui n'est à l'abri de ces barbares. Aujourd'hui, en petit, on se fait frapper d'une manière ou d'une autre. Et ce qui ne sont pas des exemples qui manquent. Les États-Unis, la France, la Tunisie, le Mali, pour ne citer que ces quatre, qui tour à tour ont été victimes des actes ignobles et criminels. Que le terrorisme, et c'est là pour des raisons non évoquées, car en les reposant sur les rayons. Le Mali, pour sa part, l'attentat perpétré au Harrison voudrait faire une mise au point. Le promoteur hôtelier, sachant qu'ils ont défini des cibles potentielles, prendront les dispositions nécessaires qui leur seront dictées comme suit. Avoir recours aux militaires de l'armée malienne qui seront engagés comme employés civils dans le cadre d'un camouflage stratégique pour pouvoir contrôler la situation en une par le corps. En vain de minimiser les dégâts, seule règle est celle que le gouvernement imposera aux différents hôtels. Je voudrais, en tant que président, pour clore ce chapitre, informer la population malienne que la participation de nos militaires dans les cadres de l'assaut contre les terroristes de Radisson a été prise qu'à hauteur de Chouet. Et je pense que c'est le moment de leur rendre hommage. Les alliés, les bravoure, après qu'une foule nombreuse les désarme effectivement sur les liés. Et Inch'Allah, en ma qualité de chef suprême des forces armées, je voudrais faire savoir à la population que nous sommes dans notre phase de guerre contre les terroristes. Et contrairement aux autres, elle est une qui ne finira jamais. Je voudrais aussi que la population actuelle, les victimes, s'y prépare psychologiquement. La population ne doit pas tomber dans une psychose, car tel est l'objectif visé par le terrorisme. J'exhorte la population à être active, participative, actrice et réactive dans le cadre de l'utilisation des numéros verts pour que, collectivement, nous faisons face à ce mouvement insignifiant qui ne perdra à être la cause de sa propre défaite. Et Inch'Allah, le gouvernement, pour sa part, fera le nécessaire pour combattre ce mal jusqu'à son dernier souffle. Le verratif pour nous est de tirer le mal dans l'œuf. Donc pour cela, les dispositions prises seront suivantes. La mise en place des missiles antiterroristes, dirigées par un Tagboer malien dont je dirai le nom. J'interpelle les ministres des Affaires religieuses et des cultes. En recensant toutes les écoles coraniques, formelles et non formelles, sur toute l'Italie du territoire, pour les raisons suivantes. L'élaboration des critères devrait être mise en place. Analyser systématiquement le profil des maîtres talibés des arts existants, tout en les évaluant pédagogiquement. Une statistique claire et précise des talibés et leur provenance. Au ministère de l'Intérieur de la Sécurité nationale, je l'exhorte en un recrutement massif et significatif pour que les raisons qui sont les suivantes, contrôler sérieusement les entrées terrestres, aériennes et fluviales, tout en créant une base de données dédiée aux personnes dotées de comportements ou habitudes douteuses faisant objet de filatures permanentes. J'invite solennellement les directeurs de la sécurité militaire
et suivi de la sécurité d'État à étendre les réseaux de renseignement jusqu'à avoir un interlocuteur dédié dans tous les foyers maliens. Je veillerai personnellement à ce que l'armée soit dotée de suffisamment de gilets pare-balles et de jumelles infrarouges afin qu'elle soit opérationnelle. 24 sur 24. Populairement du Mali, encore une fois de plus, le président compte sur votre participation. C'est la raison pour laquelle je profite de l'occasion pour faire savoir que très bientôt l'ACC, Action pour la conscience citoyenne, mettra sur le marché une application sur le téléphone portable intitulée Je dénonce, je m'obéis. À votre disposition, afin que vos remontées s'effacent dans les délais les plus raisonnables, pour une solution sensible immédiatement. Je ne saurais clore cette interview sans pourtant avoir une pensée profonde pour tous les Maliens qui ont été victimes d'une quelconque tragédie. Depuis l'héroïsme a touché les sols maliens, opérant des effets, nos condoléances les plus adressées. Égallah au Subhanat Allah, égallah au Subhanat Allah, leur ouvre la porte du paradis pour le repos éternel de leurs âmes. Vive l'Afrique, vive l'Europe, vive les États-Unis, vive l'Asie et l'Océanie, pour que meure le tourisme. Amin. Je vous remercie. Balemaou, Kumalavana. Gare, Allah gare, 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 gare